Donc, il y a être ou ne pas être. Il y a conscience et inconscience. Il y a pouvoir et il y a puissance. Dans quel cheminement tu as l'intention d'aller? Quelle est ta voie? Quelle est ta direction? Vers quoi tu t'accroches? On va faire un tour dans tout ça pour voir où est-ce qu'on en est, chacun d'entre nous, pour réfléchir. Parce que il est, à mon sens, crucial que on voit les choses comme elles sont, mais pas comme on aimerait les voir. Parce que ce qu'on aimerait, c'est pouvoir inconscience et ne pas être pour pouvoir être autre chose. Mais à mon sens, ce que tu es est crucial parce que là-dedans, il y a quelque chose de vrai. Donc il y a une différence entre le pouvoir que l'homme il a et la puissance que l'homme peut exercer. Le pouvoir, c'est ce que tu te confères pour pouvoir garder tes espoirs, garder tes privilèges, faire protéger tes habitudes et tes train-train. Ça, c'est le pouvoir de l'homme sur la planète Terre. Et nous en avons jamais assez. Donc ce pouvoir devient grand parce que ce pouvoir, il est affilié à ce personnage que tu es et qui veut exister à travers ce qu'il peut gagner. Donc le pouvoir est important dans ce monde. C'est-à-dire on te donne le pouvoir d'être quelqu'un. Tu es identifié à ton rôle, tu joues le rôle et à travers ce rôle, tu décrètes ton pouvoir. Tu dis je suis père, je suis mère, je suis directeur, je suis ceci, je suis cela. Donc avec ça, tu crées autour de toi un certain pouvoir, toujours sur le plus petit bien sûr, sur un enfant, sur quelqu'un qui n'a pas pu se défendre. Donc le pouvoir de l'homme se joue ainsi sur les gens les plus petits. Et à ce moment-là, il y a de l'esclavage, il y a de la souffrance. Mais tu sais que tu as aussi la puissance de renverser la machine. C'est-à-dire toute cette machine qui a été construite par le pouvoir qu'on s'est conféré à soi-même. Eh bien, il est possible de changer la donne. Et tu as non pas ce pouvoir, mais tu as la puissance de changer la donne. Et cette puissance, elle défait les schémas de pensée. Elle défait tout ce qui a pu être installé par le pouvoir que tout le monde cherche à avoir. Et bien sûr, pour la plupart, c'est ce qu'on veut, ce pouvoir, parce qu'il y a là-dedans beaucoup de plaisir. Et très peu veulent avoir cette puissance pour pouvoir renverser la donne. Parce que ça veut dire que si tu acceptes de changer tout ça veut dire que tu n'as plus l'identité que tu t'es faite à travers ton être, à travers ce que tu as joué comme rôle. Donc tu es rien, mais il te reste que la puissance d'être ce que tu es. Et être ce que tu es, c'est une grande puissance. La puissance de transformer le monde, la puissance de transformer les situations, parce que tu es en avant-garde, parce que tu as la baguette magique.
La baguette magique qui est celle de voir au-delà de toutes les différences, au-delà de ce que le pouvoir donne. Parce que le pouvoir divise et la puissance rassemble. Et quand on rassemble le tout ensemble, alors ça veut dire qu'il y a un pouvoir magique aussi que tu as, qui vient de ce que tu es, de la puissance que tu es. Et cette puissance, c'est de pouvoir voir au-delà de toutes les différences qui ont pu être mises en place. Parce que la différence, elle se met en place comment d'après toi? Parce qu'on compare. Autrement, il n'y a pas de différence. Si tu compares pas, il n'y a pas de différence. On fabrique la différence parce qu'il y a comparaison. Mais si tu acceptes ce qu'il y a, sans juger, sans contredire, sans donner ton avis, tu acceptes d'accueillir ce qu'il y a face à toi, alors la chose, elle est comme elle est. Ni mieux, ni moins bien, ni juste ce qu'elle est. Donc tout ce qu'on a comme pouvoir, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on puisse diviser. C'est-à-dire le pouvoir de la pensée. La faculté de la pensée, c'est de diviser. C'est-à-dire tu compares et il y a une division qui se fait. Alors que normalement, cette division, elle ne peut pas avoir lieu, puisque tout est relié en un seul tout. Mais illusoirement, quand tu compares, tu penses avoir quelque chose, tu penses avoir gagné quelque chose dans la division. Donc tu prends ce qui te plaît le mieux. Donc tu veux être riche, mais pas pauvre. Tu veux avoir du plaisir et pas du déplaisir. Tu veux être joyeux et non pas triste. Donc on compare et on préfère avoir l'attitude qui est au goût de ce que on attend de la vie. Ça, c'est le pouvoir de l'homme, de pouvoir diviser pour régner sur ce qu'il a pu avoir. Et en fait, quand tu fais tout ça, tu deviens de plus en plus agité. Tu n'es pas tranquille parce que tu es divisé. Parce que ton identité est fragmentée. Tu es ceci, tu es cela, tu es tout ce que tu penses être. Et tu te donnes le pouvoir de jouer plein de rôles. Tu divises tout, tu segmentes, tu fractures. Et donc tu es livré à un tas de confusions. Mais celui qui fait ça, il garde le pouvoir. Il garde le plaisir. Il garde la faculté de garder les habitudes, les train-trains. Et tout ça, c'est le chaos. Parce que la vie est alors quelque chose qui n'est pas vrai. Elle est rapportée, elle est fragmentée. Or, la vie, c'est un seul tout. Tu ne peux pas le diviser. Tu ne peux pas segmenter. Tu ne peux pas le séparer. Parce que son origine, c'est une source pure. Et elle a toujours été en un seul morceau. L'univers, dans son ensemble, c'est un seul tout. Tu peux pas le dissocier. On parle du pouvoir de l'homme. Et le pouvoir qu'on a, c'est de penser. Le pouvoir que l'on a, c'est d'imaginer. D'imaginer quelque chose de différent. Parce que tu ne peux pas comprendre l'éternité, alors tu fractionnes l'éternité.
tu sépares et tu fais des petits morceaux. Mais c'est illusoire, bien sûr. Tu peux pas faire ça. Mais tu crois l'avoir fait. Tu crois que tu es séparé. Il y a moi ici et toi là-bas. Il y a un monde en face de soi où toutes les choses sont divisées, fragmentées, et tout le monde regarde midi à sa porte. C'est le pouvoir qu'on a de diviser, de contredire, de garder nos habitudes, nos petits trains-trains, le pouvoir d'être arrogant pour pouvoir garder la vie que l'on aimerait avoir, tous les privilèges qu'on s'est construits, l'image que l'on s'est fait, eh bien, on a toute cette faculté d'être cela. Mais en fait, ce que tu es est oublié. Et ce que tu es a en elle une puissance. La puissance de l'univers réside dans cette source. Et cette puissance, elle peut changer la donne que toutes les activités de l'homme a fait sur la planète Terre. Parce que ce que tu es, cette puissance-là, elle vient d'un endroit où il n'y a pas de division. Et tu es, ce que tu es là, il est entier. Il n'est pas divisé, il ne peut pas se diviser. Il n'y a pas de pensée là-dedans. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a rien. Il y a juste la vie qui se profile là maintenant devant toi. La vie comme elle est, en entier. Et quand une vie n'est pas fragmentée, n'est pas divisée, alors elle est harmonieuse. Mais tu vois nos têtes, ce que nous avons fait de la vie, c'est pas si harmonieux que ça. On veut de l'harmonie. On dit que c'est pas bon, mais on veut de l'harmonie. On fabrique de l'harmonie. Mais est-ce que tu peux fabriquer de l'harmonie en essayant de remettre les choses en place? On ne peut pas. Si on les a séparés, on ne peut pas les remettre en place par la même chose qui l'a séparé. Ta pensée, elle a séparé et ta pensée veut arranger. C'est impossible. Avec l'outil que tu as cassé, tu ne peux plus réparer avec cet outil-là. Et c'est le seul outil que l'on connaisse, toi et moi, cette pensée. C'est un outil fabuleux, te donne du pouvoir. Mais elle ne te donne pas la puissance de mettre de l'ordre dans ce qui est cassé. Et cette puissance, elle vient là, en toi, quand tu as compris tout ça. Quand tu cesses cette activité d'essayer d'arranger, d'essayer de mettre un petit peu de gaieté dans l'atmosphère. Tu voudrais arranger, tu voudrais avoir du plaisir et de plus en plus encore du plaisir. Ça, c'est l'activité de la pensée. Il y a un certain pouvoir là-dedans. Alors tu vois ce pouvoir que tu as. Il faut que tu l'abandonnes. Parce que ce pouvoir nous détruit. Détruit la joie de vivre. Détruit tout ce qui est beau. Parce qu'on le casse, on le segmente. On le divise. On prend la fleur. Et on tire pétale par pétale. Il n'y a plus rien. On détruit la beauté. On ne sait plus comprendre la beauté. Elle est devenue tellement banale qu'elle est détruite par le fait de comparer, par le fait de diviser. Par le fait de dire que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Tu as un avis
un avis qui diverge, tu es en dualité avec toi-même. Là, on est en train de dire que cette faculté que tu as là, il faut que tu l'abandonnes. Parce qu'elle ne donne pas la paix dans le monde. Il n'y a pas la puissance de l'amour là-dedans. Parce que la puissance de l'amour, ce qu'elle fait, elle détruit tout ce qui a été fait par la pensée. Elle annule. Puisque de toute façon, ce qui a été fait par la pensée, c'est une illusion. Donc, cette puissance, elle vient, elle remet l'ordre. Et c'est ce que tu es. Tu es, quand tu laisses être ce que tu es, quand tu acceptes d'être entier, quand tu ne te divises pas, tu ne compares pas, tu ne cherches rien, tu n'attends rien, tu ne veux absolument rien, alors tu peux avoir cet état d'esprit. Et cet état d'esprit a un grand pouvoir, c'est le pouvoir de remettre en place les choses. Pas le pouvoir de l'homme. C'est une intention divine, je dirais. Je dirais ça comme ça. C'est un grand mot. Mais en fait, ce que tu es à ce moment-là, quand tu n'es pas divisé, alors tu as une perception de ce qui est au-delà de tout ce qui est divisé. Tu ne vois plus la division. Tu ne vois que le résultat d'une harmonie. Et donc, quand tu, comme tu connais qu'est-ce qu'il y a derrière la division, derrière tout ce qui se passe dans notre monde, il y a la moi, la joie, l'intelligence. Tu es cela à ce moment-là. Et alors, si tu te laisses être ça, ben c'est tout ton être va faire en sorte que ce que tu auras l'intention de faire, tu vas faire l'ambiance pour que les choses iront dans ce sens-là. Ça veut dire que tu as changé. Ça veut dire que tu ne cherches plus le pouvoir, mais que tu es celui qui a la puissance de changer la donne. Et tu vois, ce pouvoir, on le traîne dans nos pattes, on nous l'a mis dans les pattes, on nous a dit comment les choses devraient être. On nous a demandé de concourir pour ça, de devenir, pour pouvoir avoir ce plaisir, ces habitudes, ces train-train. On est friand de ça. Parce que ça nous réconforte. Mais tu vois, ce que tu es pour de vrai, quand tu laisses être ce que tu es pour de vrai, alors, tout est foutu à l'eau. Tout est remis en cause. Parce que, sur la balance, il n'y a pas possibilité d'avoir cette chose contre l'autre. En fait, il n'y a pas de balance. Il y a soit l'un, soit l'autre. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Tu ne peux pas être entre les deux. Ça fait tiède. Tu es tiède, on dit. Mais ça n'existe pas, ça. Soit tu es pour ou soit tu es contre. Soit tu aimes, soit tu aimes pas. Mais tu peux pas être entre les deux. Ça fait une situation bizarre qui peut pas exister. Et on est dans un monde où tu vas devoir choisir entre être ou pas être. Conscient ou pas conscient. Mais à la fin, quand tu auras choisi, tu vas te poser la question. Est-ce que vraiment j'ai le choix? T'as pas le choix. Parce que d'un côté, tu n'existes pas. D'un côté, tu te détruis.
et puis tu détruis tout parce que tu fais souffrir le monde. Et de l'autre côté, eh ben, c'est la seule destinée pour que tu sois bien, pour que les choses puissent être ordonnées. Donc, est-ce que tu as le choix vraiment? On va dire que non. Parce que, mais pourtant, ce pouvoir que l'on a, qui est le mouvement de la pensée, qui veut installer des choses pour pouvoir se sentir bien, c'est-à-dire ce personnage, c'est quelqu'un qui est là et qui va se donner de l'importance. Alors lui, là, il veut continuer comme ça. Parce qu'il ne veut pas lâcher le morceau. Lui, il veut exister. Moi, je veux exister. C'est ce qu'on dit. Bien sûr, tu t'es identifié à tes pensées, tu es la pensée, et la pensée veut continuer. La pensée ne va pas abandonner, puisque c'est une matière qui est constamment en train de se régénérer, puisque c'est de la mémoire, elle revient, elle revient, elle revient, et elle s'envoie dans l'espoir. C'est interminable. C'est même plus marrant, parce qu'il y a de la monotonie là-dedans. Moi, je dis, accepte de ne rien faire. Parce que quand tu fais rien, tu as plus ce problème de devoir garder des habitudes et des train-trains qui sont monotones. Parce que c'est un problème, ça, c'est fatigant même. Tu as plus ce problème-là. Par contre, si tu les abandonnes, alors tu es en paix. Tu n'es plus dépendant du plaisir que tu cherchais pour être exister en tant que moi. Donc tu vois ce moi-là, il est vraiment ambigu, paradoxal, complexe. Mais il est complexe parce que tu t'es identifié. Et il te rend l'esprit complexe, compliqué. Tu ne sais plus quoi faire, tu es confus. Parce que tu t'es identifié à ce que tu n'es pas. Tu n'es pas cela. Ce que tu es, c'est un paquet d'amour qui se profile. Et là, il y a beaucoup de joie. Beaucoup de joie, beaucoup d'amour. L'ordre, l'harmonie et la paix dans les relations. Parce que si nos relations ne connaissent pas cette sincérité d'être, comment veux-tu qu'on puisse vivre ensemble? Comment? Impossible. Moi l'empêchera. Parce que moi divise tout le temps. Il est fragmenté. Tout, il fait tout pour diviser et avoir le pouvoir. Donc, moi et là, il y a du pouvoir et il y a des esclaves. Il y a des gens qui doivent venir pour faire exister le moi. Donc, ils sont les petits esclaves. Parce que ce moi cherche quoi? Le bien-être. Quand tu me dis, je t'aime papa, je t'aime mon ami, tu es grandiose, tu es mon héros, j'existe. Mais tu n'es pas vrai. C'est un faux. C'est pas toi. Ce que tu existes, ce qui existe là, c'est l'image que tu t'es donnée. Ce personnage, ce caractère qui bouge, qui a des rôles et tout ça, qui a le pouvoir de devenir, le pouvoir de paraître. C'est un pouvoir qu'on se le donne, et le pouvoir va diviser, va faire des petits sujets partout que tu vas utiliser pour faire exister. Mais tout ça, c'est un jeu.
qu'on est en train de jouer. C'est pas grave. Mais tu sais qu'est-ce qui est grave? C'est de ne pas savoir que c'est un jeu. Là, ça devient très grave parce qu'il y a une inconscience, il y a un aveuglement et on se perd complètement. On ne sait plus qui on est. On est dans le noir, inconscient. Et tu arrives devant la tombe un jour, alors tu vas te poser la question. Tu vas te dire, mais j'ai vécu tout ça, à quoi ça sert? J'ai rien compris, c'est quoi vivre alors? Tu ne sauras pas c'est quoi vivre. Parce que moi, c'est un paquet de mémoires qui se répètent tout le temps. C'est une machine, c'est la machine à penser. Toute cette machine à penser qui pense tout le temps comme le petit rat qui tourne, qui tourne, qui tourne. C'est une machine ça. C'est pas toi. Mais tu t'es identifié à ça. C'est bon de savoir tout ça parce que de réaliser, de se mettre en face, de s'arrêter, de regarder qu'est-ce qui se passe vraiment, d'observer. Là, on a fait une observation, toi et moi. On a regardé les choses comme elles étaient. C'est une observation. Je ne t'ai pas annoncé une tempête. Si tu sais observer, tu peux le voir. Et c'est cette observation qui fait que l'intelligence émerge.